Congolais Panda. Oh, Congolais Panda. Congolais Panda. Aujourd'hui, très cher internaute, Kakandenge Boyebi, Soki Bomoninga, Soki Likamamala, Monde, Namimeli Bino, Lelo, Tozana bâtiment administratif, Opemeni, Tembe, Natembe, Bisiko, Wapi, ba ministère, Ibele, Bele Zali, entre autres ministères et intérieurs, de Kokutanana, la conseillère, ya conseillère spéciale, ya chef de l'État, na matière, ya jeunesse et violence faite à la femme, Ndenge Boyebi, Mikolo, Mambozo, courir de partout, ba viol, les salema de partout, éducation paysanne à Katia jeunesse. Voilà pourquoi Alinga Kiko Sangisa, Madame Chantal Moulopo, Alinga Kiko Sangisa, Mingi Mingi, ba étudiant, ba Oyo, Bazana, Nona, Etelo, Yalikolo, Nikambo, Etali, ba études supérieures, Ponako Yeba, Komesko, Makambo, Eko Salema Kuna, na site universitaire, Alobiete, a remarqué que commerce est comme comprimé, tout comme on a site universitaire, Nabiso, ba terrasse, et comme Aebele, tu vas comment la banque comme la alcool na site universitaire, chose anormale. Loko oyo conseillère ya chef de l'État ba pécier mission ya koyeba na ko réglementer secteur wana ya université pe ayeba ni sous na ko solola na ba étudiant on a likambo etali éducation valeur nini éducation eza na mboka na biso Congo bokoyeba na ko landa parce que alingi eza la jeu de questions et réponses eza la penza échange eza la penza forum ba ko ta di solo nyonso wana po kaka na développement ya mboka na biso Congo to landa lo lenge nini entrevue o euti na koleka bongo to kutala na bino to juste après. En fait, c'est une rencontre qui répond à l'aspiration du chef de l'État qui veut faire de la jeunesse le fer de lance pour la construction et pour le développement de cette nation. Donc le président de la République veut soutenir les jeunes et de manière à les rendre très efficaces pour contribuer effectivement au renouveau de la RDC et qu'ils prennent à main leur destin. C'est dans ce cadre que cet après-midi, Madame la conseillère a voulu vous rencontrer et nous espérons que les discussions qui vont découler de cette rencontre vont nous amener à bâtir quelque chose de solide et de durable. Je réponds au nom de Victor Amissi, sous le PICA. Je suis le directeur de cabinet adjoint au sein du bureau de Madame la conseillère en matière de la jeunesse. Et pour ce fait, sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à Madame la conseillère. Mais en attendant, je vais juste proposer succinctement le programme de cet après-midi. Supérieur public et privé. Je tiens avant toute chose à vous remercier pour avoir rehaussé de votre présence en ce lieu. Je me sens très honorée par votre présence. Permettez-moi aussi de m'acquitter d'un devoir, celui de vous présenter mes vives félicitations pour votre élection comme coordinateur et membre de la coordination de vos établissements respectifs. Des études universitaires et supérieures, les conditions d'études, la gestion du site universitaire, Forum national de la jeunesse, le comité de suivi pour le forum. Chers coordinateurs et membres de la coordination, la décision que vous avez prise d'embrasser les études supérieures était une décision très courageuse et pour cela, vous avez non seulement droit à toute mon admiration, mais vous méritez tout mon profond respect. Quand je me promène mes regards sur vous, je suis convaincue d'une chose, qu'être étudiant au Congo n'est pas un luxe ou une mince affaire, mais un bon parcours de combattant. En même temps, j'ai aussi la ferme certitude que malgré ces durs labeurs et ce parcours parsemé de difficultés, demain servirez la nation de tout votre cœur. Et laissez-moi
vous affirmer que je crois en vous. Le sens que je donne aux études se résume en deux mots, connaissance et responsabilité. Autrement dit, si vous êtes étudiant, vous êtes appelé à la fin de votre cursus un jour à assumer des grandes responsabilités dans la société. Ces responsabilités dont nous parlons ici sont aussi celles de coordinateur des étudiants car représenter, être le porte-parole ou défendre le droit des étudiants n'est pas une mince affaire. Elle appelle chacun de vous à être la voie éclairée qui mène vers un aboutissement heureux qui est celui de décrocher un diplôme pour chaque personne qui embrasse un établissement supérieur. Cependant, le constat est que les conditions qui entourent votre apprentissage ne sont pas les meilleures qui puissent exister. Voilà pourquoi je lance un appel vers vous, celui de travailler ensemble pour améliorer ces conditions d'études. Merci beaucoup, Madame la conseillère. Représentant des étudiants de l'Institut national des arts, l'INANSI. Merci Madame la conseillère pour la parole. J'ai aimé votre discours. Cependant, je réfléchissais. Je me disais, est-ce les politiques de la République démocratique du Congo pensent à un avenir pour les élites? Or, un élite est un excellent, un meilleur. Si je dois corroborer les pensées de mes deux précédents, sur la connaissance, excusez-moi, Madame la conseillère, de vous dire, il y a 4% des élites et il y a 96% de ceux qui ne méritent pas, cependant ce sont eux qui règnent au pays et le 4% souffre. Et aujourd'hui, l'élite de demain, c'est un petit mendiant vers les politiques de notre pays. Parce que ceux-là ne s'intéressent pas aux élites de demain. Voilà pourquoi il y a des vautours. Ceux qui règnent à notre place. Nous terminons les études demain. Et j'ai aimé votre phrase. Vous allez nous accompagner. Mais pour quelle fin, Madame la conseillère? Pour quelle fin? Dans votre mandat, pouvons-nous dire que la conseillère a été un poids lourd pour les élites qu'elle a rencontrées? Comme qui dirait, au jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi et quelles sont les traces qu'aura laissées mon parcours dans ce bureau. Madame, la responsabilité, certes, nous avons cette responsabilité, raison pour laquelle nous nous sommes engagés à accompagner les étudiants. Gérer les étudiants, Madame la conseillère, n'est pas une messe. Madame, si l'élite aussi n'est pas si meilleure que vous pensez, il y a aussi le social de notre pays. Il y a le social. Aller à l'université, ce n'est pas facile au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi il y a beaucoup de ceux-là qui commencent avec nous, malheureusement. Je vais vous donner un exemple, Madame la conseillère. Vous pouvez commencer à G1 à 100, mais vous terminerez en L2, peut-être à 30, à 40. Où sont passés tous ces gens-là? Ils vous diront, j'ai manqué de moyens. Nous comptons sur vous, Madame la conseillère, d'avoir un cœur de maman. Et nous sommes très heureux de voir une maman qui gère la jeunesse de la République démocratique du Congo. Ces 40% ont étudié ici, dans notre pays. Mais où est ces médecins-là? Lorsqu'ils quittent aujourd'hui la République démocratique du Congo, ils deviennent des infirmiers en Afrique du Sud. Cependant, ceux-là ont eu la même formation qu'eux. Madame la conseillère,
jeudi. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la conseillère. Prisca Maniala, je suis la vice-présidente des étudiants de l'Université de Kinshasa. Voilà, vous avez participé à l'entrevue avec la conseillère du chef de l'État en matière de la jeunesse et de violence faite à la femme. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet entretien? Eh bien, ce que j'ai retenu de cet entretien, c'est premièrement que le chef de l'État porte une attention particulière à la jeunesse et plus principalement à la jeunesse féminine, et qu'au milieu étudiantin, en tant que coordonnateur des étudiants, nous avons l'appui du chef de l'État en ce qui concerne nos plans d'action pour faire avancer la RDC depuis nos institutions. Alors, quelles sont les suggestions que vous avez faites à la conseillère? Eh bien, nos suggestions, principalement pour l'Université de Kinshasa, c'est de s'assurer de répondre aux desiderata des étudiants. Et l'Université de Kinshasa étant une université située sur une très grande surface, il est impératif que nous puissions avoir en suffisance tout ce qui est infrastructure. Par exemple, vous pouvez vous retrouver dans un auditoire où il y a 1000 étudiants, mais il n'y a que 300 places assises. Donc, nos suggestions au chef de l'État, c'est qu'il puisse prendre en compte les besoins des étudiants en termes d'espace, construire de nouveaux auditoires, s'assurer qu'il y ait suffisamment d'eau potable sur le site, ainsi que de l'électricité, parce que le site universitaire étant très grand, il est important de veiller à la sécurité des étudiants. D'où nous avons insisté sur ces faits, mais aussi l'accompagnement, l'encadrement des étudiants de l'Université de Kinshasa, qui se retrouvent parfois abandonnés des grands programmes, parce qu'on nous oublie un peu sur la colline inspirée, on semble être trop loin. Donc notre désir est de toujours être présent aux grandes décisions et surtout porter haut l'étendard de la jeunesse étudiantine. Alors, en ce qui concerne le suivi, la conseillère, elle a soulevé un point par rapport au petit commerce que nous voyons dans le milieu universitaire. Quel est votre mot par rapport au petit commerce que vous essayez dans le milieu universitaire? Eh bien, moi j'estime que le milieu universitaire devrait être ordonné. Et surtout que ces petits commerces ou ces petits commerçants, au fait, ne sont pas, généralement pas identifiés. Il est important que les directeurs des institutions puissent s'assurer d'identifier des personnes s'il faut qu'elles soient là, mais surtout de s'assurer que tout se fasse dans l'ordre sur le site universitaire. Merci beaucoup. Merci. Voilà, très chers internautes, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez suivi les différentes réactions, les différentes interventions. Vous avez suivi la conseillère Madame Chantal Moulop, la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse et violence faite à la femme. Vous avez suivi son souci au Italy Education Yambo Cannabis au Congo. Et vous avez aussi suivi, je crois que Boebipe Nakozala choqué, parce que c'est une situation que nous décrions à chaque fois dans notre pays. Éducation na biso est commis vraiment na bas niveau et loco o yezo ça la passe. On s'est dit l'éducation c'est le lendemain, c'est la meilleure dans un pays, mais lorsque l'éducation n'est pas bien basée, mboka na biso to ebité ba o ba ko kamba biso lobi ba ko zala lo lenge nini. Vous avez suivi ba étudiant lo lenge nini ba bina ko loba après les études en RDC, le monde du chômeur, tout du chômage misala ezate bazo souka na ba cabine, bazo souka na ba point ya vente, ya ba change, ya ba monnaie, bisiko ezo sala vraiment pas si mingi, parce que emploi na mboka na biso Congo et comme lokola la corruption, emploi na mboka na biso Congo et na Congo et comme lokola likambo esengelo zala na parapluie, so zala na parapluie, okoyeba na kozwa mosala te, parce que tant ozokota ka na bureau bazo tuna yo, tu es venu de la part de qui? Nanya tindi yo qui est derrière toi, et le réseau ça la passe méritocratie et zapenza nambo cannabis au Congo te comme plus corruption. Je crois que même chef de l'État au yazana souci aibanako ko valoriser éducation ya RDC to yebi à l'époque ba feu docteur Etienne Tshisekedi ba ki na ko le kanaba université de Kinshasa, mais boyebi ba formation au bango bazo petit lelo to zo respecter bango, parce que ba ki na ko ça la preuve ya ba étude au bango ba yeko
la qui. Mais les lots, bah, étudiants, bah, ils ne même pas tenir phrase, mon coya français, même conversation, mon coya français pendant 5 minutes, faute de l'éducation, faute de bon enseignement, na ba mboka na biso to na ba étude na biso enseignement et commis vraiment na précarité moko o ezo pe sa passe mingi wo ki pe souci à conseillère madame Chantal Moulop wa lobi été il veut bien accompagner les chefs de l'État na ngamo iska batia ya conseillère ya chef de l'État na matière o yo po développement mboka na biso Congo ezala vraiment parfait pour lobi babeta di solo ba to Brazzaville pour ba yaka déjà ko tanga pa na biso Panabiso, Angola, partout, bah, pays voisins, bah, y a autant en Ambo, Panabiso, Congo, bah, envoyé les sous éducation, Oyo, Ezalaki, avant, na bané 60, na bané 90, au Lelo, Ezali sous-souté. Merci beaucoup, très cher internaute, merci beaucoup, Bisotoko, Rilae, Binoka, Kaba, information, ou Ezali, vrai, pé vérifiable. C'était un plaisir, retrouvez-moi, très cher internaute, prochainement, na numéro, mon sous-souté, ou Ebana, Kobeta, Esou, ma solo, Pokaka, Bisoto, Zawana, Ponako, Mémenabino, ben, formation aux Ezali vrais et vérifiables. Bisous à tout le monde. Au revoir. Congo les panda. Oh. Congo les panda. Congo les panda. Congo les panda. C'est toi qui as pas la boucle.